Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Racing Ball qui va nous permettre aujourd'hui de faire le tour très rapidement du championnat The Perfect Cup saison 3, évidemment sur Project Car 2. Également, nous allons aborder la question du film Racing Ball, enfin tout du moins la série Racing Ball avec le quatrième épisode. Et nous ne manquerons pas évidemment de parler de la sortie du jeu Gran Turismo 7 prévu dans les jours qui arrivent. Et oui, The Perfect Cup saison 3 qui bat son plein depuis maintenant 7 soirées. On arrive évidemment à la finale ce jeudi soir. Nous arrivons à la fin de ce championnat The Perfect Cup 3, championnat concocté par notre ami TX3 Polo, alias Manimal. Ce championnat, si vous l'avez suivi, est largement dominé par TX3 Joker, mais qui a vécu la semaine dernière, en mon absence, une soirée avec un remplacement. Et donc, il n'a pas forcément évolué dans le classement de manière favorable. Il s'est fait une soirée en position P9, qui est son pire score sur l'ensemble du championnat. Il se retrouve avec 195 points devant TX3 Alonso, 181 points, TX3 Lorenzo, 171 points. RS Smokey qui remplace notre ami Gaz depuis quelques temps, 157 points, ex-aequo avec TX3 Corsica sur la quatrième position, ce qui veut dire que le championnat n'est pas encore joué et le podium va être largement disputé ce jeudi soir. Rendez-vous sur Racing Ball TV, évidemment avec notre partenaire Dynamite Games qui nous aura suivi sur ce deuxième ou troisième championnat déjà et qui ne manquera pas, je pense, de continuer de nous suivre. Il nous prépare les petits goodies, les petits cadeaux pour les gagnants de ce championnat évidemment. A noter également le lot extraordinaire mis en jeu sur ce championnat proposé par nos deux amis TX3 Polo et TX3 Lorenzo, à savoir un baptême en voiture de course, c'est-à-dire un baptême réel. Alors en ce qui concerne TX3 Lorenzo, comme vous le savez, il participe au championnat Fun Cup. Donc si vous avez l'occasion en tant que vainqueur d'être dans le sud de la Belgique, vous pourrez aller faire valoir votre baptême dans la Fun Cup de Monsieur Lorenzo sur un circuit tel que Spa. Un tirage au sort aura lieu jeudi soir pour désigner des pilotes pris au choix dans le paquet. Alors notre ami TX3 Polo, quant à lui, propose également un baptême. Alors ça sera pas en Fun Cup, ça sera sur une des voitures pour lesquelles il est moniteur. Alors je peux pas vous dire le modèle évidemment, mais ça sera une grosse cylindrée, Ferrari, Porsche, etc, etc, etc. Et en ce qui concerne le bookmaker du Racing Ball, eh bien, ce dernier vous a concocté quelques surprises en ce qui concerne le film. Et vous attendez l'épisode 4 depuis maintenant quelques mois. L'épisode 4 est bientôt prêt. Il arrivera sur vos écrans très prochainement. Et vous pourrez le voir gratuitement, évidemment, sur Racing Ball TV by TX3. Retrouvez également les trois premiers épisodes, mais aussi et surtout l'ensemble des championnats Racing Ball qui vous auront fait vibrer, que vous pourrez revivre soit dans les playlists, soit en direct sur la page YouTube. Enfin, pour finir ce numéro très rapide, très rapide, Racing Ball Magazine, je vous rappelle la sortie de Gran Turismo 7 ce vendredi. Alors certains puristes diront « Ouais, mais Gran Turismo 7, ce n'est pas de la simulation. » Eh bah, ben, c'est pas grave. Gran Turismo 7, ça reste un Gran Turismo 7. Moi, je vais le prendre sur PlayStation 5 avec Dynamite Games, évidemment. Et je peux vous dire qu'on va s'éclater parce que ce jeu-là, on l'attend depuis des années, des années, des années. Et on sait que ça sera du Gran Turismo et qu'on ne sera pas déçu. À ce titre, je vous donne rendez-vous vendredi soir pour un live sur Racing Ball TV. En direct, on fera le test du jeu et éventuellement on pourra se rejoindre à 16 en audio pour partager nos impressions sur ce jeu. Pour finir, je vous donne donc rendez-vous jeudi soir pour la grande finale The Perfect Cup saison 3, le championnat énorme que nous aurons encore vécu. Alors, je sais qu'il y a quelques idées pour le futur championnat. Évidemment, on va se laisser respirer certainement un ou deux jeudis entre temps, mais les pilotes ont la dalle, ils ont toujours la dalle. Donc eux, ils veulent de la course, de la course, de la course sur Project Car 2, qui reste pour nous la référence du jeu de course sur PlayStation 4 et bientôt PlayStation 5 de toute façon. Merci de m'avoir suivi encore une fois et je vous donne rendez-vous très prochainement. Bye bye.